Nous sommes à la pisciculture du Moulin du Roi, à Touvres. On a un joli coin là maintenant. Cette pisciculture est donc située juste en aval des sources de la Touve. Les sources de la Touve, c'est une résurgence karstique, donc avec des eaux d'infiltration, des eaux très profondes. C'est la deuxième résurgence de France, hein, après la source du Vaucluse. Les caractéristiques principales de cette rivière, c'est une température constante aux sources de l'ordre de 12,5 degrés toute l'année. Nous bénéficions de cette température constante dans nos bassins, puisqu'on est situé 400 mètres à l'aval immédiat de la source. Nos truites sont élevées sur la tour. Et là, on a le bief de mise en charge avec une digue qui a été construite il y a très longtemps pour amener de l'eau. À l'origine, c'était un moulin. C'est devenu donc une pisciculture et on a conservé cet ouvrage d'art qui nous permet d'alimenter la pisciculture. Ce système-là permet d'éliminer toutes les herbes ou les branches qui pourraient arriver à l'entrée de la pisciculture. La température constante de l'eau nous permet d'élever des poissons toute l'année, parce que les variations de température ne gênent en aucun cas, puisque nous n'avons pas de variation de température, donc la croissance du poisson n'est absolument pas perturbée. Et on est capable donc de proposer à nos clients dans toute la France n'importe quelle taille de poisson toute l'année. Alors c'est une variété de truite jaune qui est destinée pour les parcours de pêche. Et c'est des poissons qui sont très vifs à la pêche, qui remordent facilement et qui font le bonheur des pêcheurs. La pisciculture du Moulin du Roi a une superficie de 6000 m² de bassin sur une propriété de 5 hectares. Les premiers bassins expérimentaux ont permis de faire des tests d'élevage en 1957. Et lorsque les tests ont été concluants, mon père, le docteur Bellé, a fait la pisciculture du Moulin du Roi, les premiers grands bassins en 1970. Et toute cette entreprise s'est développée au fil du temps avec de nombreuses modifications. Une pisciculture qui était prévue à l'origine pour faire une centaine de tonnes de truites par an et qui actuellement en fait 600. Et toute cette production est destinée essentiellement à des pisciculteurs qui achètent pour revendre des ateliers de transformation, des parcours de pêche. Donc là, on arrive au rinçage du camion. Le rinçage, c'est quoi? Après le chargement, on renouvelle l'eau plusieurs fois avant que le camion parte sur la route, pour assurer un bon transport des poissons. Nous avons 57 bassins sur la pisciculture du Moulin du Roi pour une production de 600 tonnes de truites vivantes par an, toutes tailles confondues. Et ici, on est donc à l'écloserie. C'est le lieu où on reçoit tous les œufs embryonnés qui vont assurer la production des 2 à 3 prochaines années à venir. Il consiste à enlever les œufs qui ne naîtront jamais, donc ils sont blancs. Les poissons font que quelques grammes, on les garde ici en jusqu'à 2-3 grammes et après ils partent à l'extérieur. On a un bureau avec vue sur la Touvre, vue imprenable sur la Touvre. Ben, je suis responsable de la production. Donc je m'occupe en général de tout ce qui est organisation du travail, plus la gestion des stocks et des clients. Nous accordons beaucoup d'importance au suivi sanitaire de nos élevages et à l'aspect qualitatif de notre production. C'est une entreprise qui emploie 15 personnes avec une équipe de chauffeurs, une équipe administrative et une équipe de techniciens. J'ai fait l'acquisition en 2003 de la pisciculture de Villemans sur la commune d'Orvel, qui est située sur la même rivière. Donc
commercialise essentiellement de la truite vivante destinée aux sociétés de pêche et parcours de pêche. Donc c'est aussi une deuxième activité qu'on a mis en route depuis plus d'un an maintenant, de transformation des poissons, où on fait de la truite fraîche, du filet de truite, de la truite éviscérée et de la saucisse de truite. La fameuse truite fumée qui a obtenu la médaille d'or au Salon d'agriculture. La pisciculture a un magasin. Non seulement on peut acheter des produits, mais on peut visiter ce que nous conseillons vivement à nos clients.